donc rappeler à toi cet homme qui a accroché là, et qui du droit chemin jamais ne s'écarta, car il est le Fils de Dieu. Une tombe m'attend là où il sera enterré, car à ses côtés, je trouverai la béatitude. Joseph, je te le dis, sans aucun doute, il est le Fils du Seigneur, le Messie envoyé par le Tout-Puissant. Va demander son corps à Pilate, et nous pourrons enfin l'enterrer. Je vais t'aider humblement à le descendre de sa croix. Noble Pilate, je sollicite une faveur que dans ta grande bienveillance tu m'accorderas peut-être. Le prophète qui est mort aujourd'hui, permets-moi de recevoir son corps. Joseph, je le puis de bonne foi. Si ce centurion ici même me dit qu'il est mort, je ne m'y opposerai pas. Centurion ! Tu ne peux pas sauver Pietro. Le vin qu'il a bu était empoisonné, comme je l'ai promis à Cesare. Je n'ai rien laissé au hasard. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas venu te tuer. Celui qui fait tout pour faciliter l'accaparement du pouvoir finit par causer sa propre perte. Libérez-le! Nous n'avons pas répété cette scène! Retenez les gardes! Ezio! Nous sommes venus t'aider! Arrêtez les gardes! Ton sauveur. On l'a empoisonné. Ce teint. Cantarella. Buvez ça. Vite! Laissez-lui un moment. Je me sens un peu mieux. Eh bien, les sangsues vont le remettre sur pied. Je ne sais comment vous remercier, je... Donne-moi la clé du château Saint-Ange, vite. Mais de quoi parlez-vous? Je ne suis qu'un pauvre acteur. Cesare, c'est tout pour toi et Lucrezia. Tenez. Non! Attends-nous! Nous vous croyons mort, Cerezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'y vais! Je dois aider les troupes! Un momento! Je t'ai vu à la Villa Auditore pendant l'attaque!